Ancien Premier ministre Claude Joseph jodi a décidé de répondre à Abinader. Abinader, c'est président dominicain que tout le monde connaît, qui lui-même prend une dernière décision là. Côté, il classé Claude Joseph parmi 13 chefs gang à la désordre, à la fréquence, messieurs. Qui lui-même interdit pour entrer sur le territoire dominicain. Eh bien, décision ça a tapral choqué Claude Joseph et il décide de répondre à Abinader. Et PM Claude Lac pas mettre de l'eau dans bouche li comme monsieur c'est pas on qui paie Abinader qui paie dominicain et ce problème ça dominique gain avec Claude Joseph parce que ouais mais c'est pas on qui tisse sous blanc mais c'est pas on qui a baissé tête devant nèg et bien mais c'est décidé pour répondre à Abinader et déclaration ça vraiment choc Abinader pas content et monsieur pral et donc est mauvais net coucong après le fin tendez dernier sorti ça que Claude Joseph lui-même li fait là. Et puis dans quatre manifestations qu'a fait contre insécurité à question gaz et la vie chère et gagne un policier Udmo qui lui-même fusillé deux chauffeurs moto dans tête et selon quelques compatriotes qui ont même tapé mandé et bien et donc justice pour citoyens ça qui ont même perdu la vie en bas coup de balle et donc Udmo ça mais mesdames et messieurs nous parlons fort dans les diverses déclarations en dans vidéo ça gain maître dans joie tout qui dit même après Ariel Henry fin quitter pays a sans pas annoncer population qui l'a fait mais déplacement maître dans joie crason quitter ça monsieur Bayvag couper fâché avec Ariel Henry monsieur retirer col dans gouvernement comme nous connaît ça aussi abolocho vicieux en tout cas n'a suivre est-ce que maître dans joie sérieux ou bien c'est blague cap bail tout détail restez connecté sur vidéo n'a tout. Et un agent Udbo qui te gen uniforme la police sourire a les amener les tirer sous deux chauffeurs moto et puis blesser un autre et dans pompe nationale qui dans Kafoutifoua et jodia et dans moment ça te gen gros laisser frapper pour faire gaz quoi ça continue à faire chaque jour et d'après ça plusieurs témoins qui parlaient dans micro nous fait nous connaître. Ça qui t'a pral déboucher sur un gros mouvement protestation sans attendre et moun qui t'a protesté était encore les mauvais coucong était tenté même mettre du feu dans pompe là mais c'est intervention la police avec pompiers qui t'est arrivé sur place qui empêchait sa fête et agent la police était tiré en pile gaz lacrymogène avec balle réelle pour être capable gailler foule moun yo qui était en colère qui était monstré et puis qui t'a dénoncé comportement policiers qui commettent zaksa sous deux chauffeurs moto. Moun ki t'a protesté yo, bon, konnen, getan boule caoutchouc, gayé tout batan clan fatra, yo joine nos alentours. Chauffeur moto annoncé, y a passé dans l'autre phase, nan jou k'ap vini la. N'ap tande déclaration kek nan moun ki te nan incident sa k'ta protesté, incident sa krive nan yon pompe gazoline et national nan Kafoutifou, nan zone Boisvernat. Jodi, tu parles comme ça dans micro, Joubert Joseph. Peuple haïtien, frère Maxime qui vit en Haïti, Axila qui vit dans la diaspora. Moi content pour moi avec nous à soir. Ça fait un bon petit temps nous pas gagner petit parler ça en direct. Jodi a un objectif petit parler ça, c'est parce que gagne en pile journalistes en Haïti ou à l'étranger qui aprèlem pour demander mon réaction sur dernière décision président Luis Abinader prend pour interdire l'entrée en République dominicaine. Les haïtiens, nous connaissons qui ça déjà qui motivé décision ça. Décision ça, c'est parce que nous connaissons ma bataille contre le racisme, contre l'anti-haïtianisme à l'égard de nos frères et sœurs qui vivent en République dominicaine. Frère Maxime, nous connaissons. C'est parce que moi j'ai des positions claires sur question rivière massacre. Rivière massacre c'est une ressource en eau partagée. Il y a un traité international que deux pays aussi un qui dit mais comment ils capable utiliser ressources que ils ont en commun. Traité ça, les relais, traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage, les signé en 1929. Dominicain yo. Et traité ça a dit d'abord que nous devons utiliser ressources de manière juste et équitable.
Dominicain yo prend 11 prises bon côté pa yo sur rivière. Première prise que nous va prendre sur rivière, Dominicain yo veut faire pression sur nous. Moi-même, l'aime te ministre affaires étrangères, moi te dit n'a continuer travail là, nous pas prendre pression dans main République Dominicaine parce que aucun pays étranger pas doué faire injonction sous Haïti pour camper sous travail la fait sous territoire. Bagay ça pas de fait Dominicain yo bien du tout. Yo te tann là ou te assassiné président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 ou bien après président Jovenel Moïse fin assassiné pour yo te fait injonction ou bien mander nouveau gouvernement pour pas faire travail là. Faut me dire nous que travail ça nous t'a fait sous rivière massacre là. Li t'a pral irriguer ou bien arroser 3000 hectares de terre dans bas plaine Maribaou dans département nord-est pour permettre paysans yo capable aller on souffle dans quelque production agricole. Frère Maxime yo nous connaît raison déjà. C'est parce que moi dénoncé à plusieurs reprises comment président Abinadel a utilisé question Haïtia pour le faire tête li on santé politique la kayli et pour assurer un leadership dans la région. Ce n'est pas parce que le généreux, c'est parce que effectivement l'a utilisé Haïti comme un pion. Et moi-même, moi j'ai une chance, et chaque fois que j'ai l'occasion, alors, moi dénoncer ça. Nous connaissons pour qui ça. C'est parce que ma bataille contre le traitement que Haïtien fait action nous après en République dominicaine en bas main ultranationaliste. Nous connaissons pour qui ça? Nous connaissons parce que ma bataille, moi pas voulu que ultranationalistes croient que le café Haïti tourne si la cou de la caillou. Si la cou de la caillou politiquement et économiquement. C'est pour raison ça, qui fait Louis Abinadel sorti décision pour le dire, moi pas qu'à rentrer en République Dominicaine. Frère Axemio, moi dois dire nous ça. Moi pas considérer ça comme une sanction. C'est pour moi un honneur parce que m'a continué bataille décision ça li pa intimider m'a continué dénoncer abus qu'a fait sur haïtien yo m'a continué exiger que relation nou gen avec République Dominicaine nan son relation qui harmonieuse son relation qui fait dans la paix mais son relation qui aller dans respect yon pour l'autre m'a continué mandé ça parce que moi-même l'emte chancelier, moi te développé de très bons rapports avec la République Dominicaine. Même pas de jamais rater une occasion pour me dire, si vous voulez un bon rapport avec nous, même si vous voulez un bon rapport avec vous, il faut que vous suspendez utiliser dans le discours officiel deux thèmes très péjoratifs sur Haïti et Haïtien. Nous songez, expérience ça. L'emte en République Dominicaine, moi te rencontré avec le président Abinadel, moi te rencontré avec le ministre des Affaires étrangères là, moi te dis ça clair. On nous suspend avec narratif négatif sur Haïtien à Haïti. Ça veut dire on suspend pas Haïti à Haïtien mal. Mais si c'est ça qui fait que si une lettre condamnation, moi déjà condamné. Frère Axemio, je dis ya, li extrêmement important. Si Louis Abinadel prend décision ça, c'est parce que il pensait en Haïti pas gagner un bon patriote. C'est parce que le pensé nous qu'a quitté décision en passé comme ça. Au monde qui était ministre affaires étrangères, qui était premier ministre dans pays, ou mettez dans une liste bon côté de chef de gang. Il veut dire qui ça? Il veut dire que chaque fois qu'un dirigeant haïtien qui campait pour dénoncer mauvais traitement, qui campait pour dénoncer abus que haïtien yo a victime dans la République dominicaine, eh ben c'est un gang. Chaque fois un haïtien qui dit qu'en pégadé dominicain, dirigeant dominicain ou dans les yeux, eh bien, il mérite pour le condamner. Il est étonné, parce que ça n'est pas arrivé facile dans l'histoire du pays d'Haïti pour un dirigeant qui était avec caractère devant la République dominicaine pour le dire ça n'a fait pas bon. Et l'MT ministre des Affaires étrangères, et l'MT premier ministre, et qu'on y a, moi pas ministre encore. Moi toujours gagné même position. Moi garde constance dans position par rapport aux ultranationalistes, par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti est capable de tourner arrière-cour. Ça nous dit que le pape passé.
Peuple haïtien, jeunesse pays. C'est mon tankou nou qui fait l'histoire. C'est mon tankou qui fait l'histoire. Soyez toujours juste dans vos prises de position. Mais piganou jam peu. Ayez le courage de votre conviction. C'est ça qui caractérise comme ministre des Affaires étrangères, qui croit que une mission c'était défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, fait avec fierté, avec honneur. Chaque fois pour me défendre dignité haïtienne avec Haïti, m'a fait, quelle que soit conséquence là. Moi, je connais différentes positions que je prends pour Haïti avec Haïtien, t'es qu'à causer un pile ennui. Même t'es assumé, yo. Moi, t'es assumé, yo. Je dis à peuple haïtien, sous cause ça même. Et me le dit non. Cause ça, son cause réelle. Faut nous faire un pile attention à distraction, diversion, et faut nous veiller très tôt. Il y a un pile position qui va le prendre. Parce que nous connaissons, il y a un pile gros intérêt. Mais, on est capable de dire non. Ça nous démontrer, récemment, 3 septembre, dans l'hôtel Caribé, l'Ivle dit que nous sommes capables de faire voir nous passer. C'est suite à la position nous prend, qui te clarifié ou ensemble de positions nous prend, qui fait Dominicain, particulièrement Luis Abinader, qui son président, tout le monde connaît, qui en perte de vitesse dans le pays, mais qui joint une occasion pour le rallier ultranationaliste de elle. En utilisant Haïti et en utilisant Claude Joseph. Nous connaissons déjà que Claude Joseph, ti Claude, pape chay. Mais qu'on y a nous-mêmes, ça qui se passe là, c'est une occasion pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous construire un Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Ce n'est pas pour ça que Papa Dessalines est mort. Ce n'est pas pour ça que Christophe tape travail. Ce n'est pas pour ça que Toussaint tape travail. Donc, moi, recevoir, moi, accepter, et moi, croire que décision ça, lui fait honneur. Lui pas sanctionner. Parce que déjà, moi-même, côté qui est important pour moi, c'est la caille, moi, Haïti. C'est ça que fait. Je fais choix pour me rester dans le pays. Moment ça, nous devons dépasser simple individu qui est Claude Joseph là. Qui était ministre des Affaires étrangères, qui était premier ministre. Nous devons garder Haïti. C'est un moment pour nous coller les épaules. L'église, l'école, famille, politique, on nous coller les épaules. On arrive où est-ce que nous sommes capables de construire vraiment un Haïti dans la dimension de l'histoire. Moi, je voulais conclure pour me dire, décision ça, n'est pas intimidé. Au contraire, liban plus force pour me battre pour pays. Au contraire, liban plus force pour me battre pour haïtiens qui vivent tout côté mais qui a subi mauvais traitement. Mais liban surtout plus force pour nous ranger la caille nous. Haïtiens fait action nous yo, pas quitter pays en masse pour aller mourir dans la mer avec dans rager. Donc l'important, moi même pas oublier peuple haïtien. Moi t'es ministre affaires étrangères. Moi, je défends l'intérêt pays. Chaque fois, occasion présentée, moi, pas jamais, pas défendre l'intérêt pays. Quel bagaille nous connaît? Il y a un pilote nous pas connaît. Historien, yo va écrire. Il y a un monde qui peut lire l'histoire. Moi, choisis faire l'histoire. Moi, choisis défendre pays. Moi, choisis travailler pour pays. Je dis, la situation pays a pas bon. Mais pas oublier, ce n'est pas seulement de façon conjoncturelle pour nous regarder. Gagner un système, gagner une mise en place de un système qui est un système générateur d'extrême pauvreté, d'injustice et d'inégalité. C'est ce système ça, je ne voulais casser. C'est lui-même, je voulais bailler carton rouge. Système ça, l'échita sur la capture de l'État, l'échita sur rente. Avec un pile rentier. C'est lui pour nous combattre. Et c'est lui même ensemble que jeunesse là, le baïkaton rouge. Nous ne pouvons pas suspendre.
bay système dans carton rouge. Nous pas suspendre bay gardien ak bénéficiaire système dans carton rouge. Parce que si nous pas casser système là a casser nous. Mais attention. Faut nous faire une différence entre les systèmes là a renouveler tête li et les renversements n'a pas li a rivé. Système là son système qui sous pilotage automatique. Chaque fois système nan rive nan bout li, li renouvelle tête li automatiquement. Renouvellement c'est système nan fèl. Mais renversement c'est nous ka fèl. Jeune pays, peuple haïtien, on invite nous pour nous mettre main ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toute institution importante yo, on invite nous ensemble pour nous casser système là, pour nous bay Haïti une chance. Pour nous gagner un autre pays, pour nous construire Haïti à la dimension de son histoire. Peuple haïtien, frère Maxime, vous voulez dire nous ça pour nous finir. Ou en bataille ça, n'a pas mené. Veillez conseil, veillez traite. Parce que bataille contre ultranationalistes dominicains qui voulaient faire Haïti tourner la cour de la caillou, pas un jouet de bataille. Il y a un pile intérêt qui est en jeu. On nous veiller traite yo. On nous veiller conseil yo. Mais surtout, on nous mettre main ensemble pour nous construire Haïti dans dimension histoire. Merci un pile. Peuple haïtien, frère Maxime qui vit en Haïti, Axila qui vit dans diaspora. Moi content pour moi avec nous à soir. Ça fait un bon petit temps nous pas gagner petit parler ça yo en direct. Je dis à un objectif, si parler ça, c'est parce que il y a un pile journalistes en Haïti ou à l'étranger qui appellent pour demander une réaction sur dernière décision président Luis Abinader prend pour interdire entrer en République dominicaine. Les Haïtiens, nous connaissons qui ça déjà qui motivait décision ça. Décision ça, c'est parce que nous connaissons ma bataille contre le racisme, contre l'anti-haïtianisme à l'égard de nos frères et sœurs qui vivent en République dominicaine. Frère Maxime, nous connaît, c'est parce que moi j'ai des positions claires sur question Rivière Massacre. Rivière Massacre, c'est une ressource en eau partagée. Il y a un traité international que deux pays aussi un qui dit mais comment ils sont capables utiliser aux ressources que vous avez en commun. Traiter ça, les relais, traiter d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage. Les signé en 1929. Dominicain, et traiter ça dit d'abord que nous devons utiliser ressources de manière juste et équitable. Dominicain, prend 11 prises pour côté par sur rivière. Première prise que nous allons prendre sur rivière, Dominicain, vous voulez faire pression sur nous. Moi-même, l'emte ministre affaires étrangères m'ont te dit n'a continuer travail là non pas prendre pression dans main République dominicaine parce que aucun pays étranger pas doué faire injonction sur Haïti pour camper sur travail la fait sur territoire bagaille ça pas de fait dominicain ou bien du tout yo te tande là ou te assassiné président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 ou bien après président Jovenel Moïse fin assassiné pour yo te fait injonction ou bien mander nouveau gouvernement pour pas faire travail là. Faut me dire nous que travail ça nous t'a fait sur rivière massacre là. Li t'a pral irriguer ou bien arroser 3000 hectares de terre dans bas plaine Maribaou, dans département Nord-Est pour permettre paysans yo capable aller un souffle dans quelque production agricole. Frère Maxime yo, nous connaît raison déjà. C'est parce que moi dénoncé à plusieurs reprises comment président Abinader a utilisé question Haïtia pour le faire tête li en santé politique la Kaili et pour le assurer un leadership dans région. C'est pas parce que le généreux, c'est parce que effectivement l'a utilisé Haïti comme un pion. Et moi-même, moi t'ai une chance et chaque fois j'ai occasion alors moi dénoncer ça. Nous connaît pour qui ça? C'est parce que ma bataille contre traitement que haïtien fait action nous après en République dominicaine en bas main ultranationaliste. Nous connaît pour qui ça?
Nous connaissons parce que ma bataille, moi pas voulu que ultranationalistes yo croie que yo ka fè Haïti tourner ti la cou de la caillou. Ti la cou de la caillou politiquement et économiquement. C'est pour raison ça yo qui fait Luis Abinadel sorti décision pour le dire moi pas ka rentrer en République dominicaine. Frère Xemio, moi dois dire nous ça. Moi pas considérer ça comme une sanction. C'est pour moi un honneur parce que m'a continué bataille décision ça li pa intimidé m. M'a continué dénoncer abus qu'a fait sur haïtien yo. M'a continué exiger que relation nous gain avec République dominicaine nan son relation qui harmonieuse, son relation qui fait dans la paix mais son relation qui aller dans respect une pour l'autre. M'a continué mandé ça parce que moi-même l'aime t'es chancelier, moi t'ai développé de très bons rapports avec République dominicaine. Même pas jamais raté une occasion pour me dire si vous voulez un bon rapport avec nous, même si vous voulez un bon rapport avec yo, faut que suspend utiliser dans discours officiel yo deux thèmes très péjoratifs sur Haïti et haïtien. Nous songer expérience ça. L'aime dans la République dominicaine, moi t'ai rencontré avec président Abinadel, moi t'ai rencontré avec ministre affaires étrangères là. Moi te dis ça clair. On nous suspend avec narratif négatif yo sur haïtien à Haïti. Ça veut dire on suspend pas Haïti à haïtien mal. Mais si c'est ça qui fait que me signe lettre condamnation, moi déjà condamné. Frère Axemio, je dis ya, li extrêmement important. Si Luis Abinadel prend décision ça, c'est parce que li pensait en Haïti pas gagne un bon patriote. C'est parce que le pensé n'ont qu'à quitter décision en passé comme ça. Au monde qui était ministre affaires étrangères, qui était premier ministre dans pays, ou mettez dans une liste bon côté de chef de gang. Il voulait dire qui ça? Il voulait dire que chaque fois qu'un dirigeant haïtien qui campait pour dénoncer mauvais traitement, qui campait pour dénoncer abus que haïtien yo a victime dans la République dominicaine, eh ben c'est un gang. Chaque fois qu'un haïtien qui dit qu'en pégadé dominicain, dirigeant dominicain ou dans les yeux, eh bien, il méritait pour le condamner. Yo étonné, parce que ça n'a pas arrivé facile dans l'histoire du pays d'Haïti pour un dirigeant qui était avec caractère devant la République dominicaine pour le dire yo, ça n'a fait aller pas bon. Et l'MT ministre affaires étrangères, et l'MT premier ministre, et qu'on y a, moi pas ministre encore. Moi toujours gagné même position. Moi garde constance dans position par rapport aux ultranationalistes, par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti est capable de tourner arrière couille. Ça nous dit que le pape passé. Peuple haïtien, jeunesse pays. C'est Mountakou nous qui fait l'histoire. C'est Mountakou qui fait l'histoire. Soyez toujours juste dans vos prises de position. Mais, pigano jam peu, ayez le courage de votre conviction. C'est ça qui caractérise comme ministre des Affaires étrangères, qui croit que une mission c'était défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, fais avec fierté, avec honneur. Chaque fois pour me défendre dignité haïtienne, à Haïti, m'a fait, quelle que soit conséquence là. Moi, je connais différentes positions que m'prend pour Haïti à Haïtien, t'es qu'à causer en pile ennui. Même t'es assumé, yo. Moi, t'es assumé, yo. Je dis à peuple haïtien, sous cause ça même. Et m'vlais dit non. Cause ça, son cause réelle. Faut nous faire en pile attention à distraction, diversion, et faut nous veiller très tôt. Il y a en pile position qui va le prendre parce que nous connaissons, il y a en pile gros intérêt. Mais, on est capable de dire non. Ça nous démontré récemment, 3 septembre, dans l'hôtel Caribé, il voulait dire que nous sommes capables de faire voir nous passer. C'est suite à la position nous prend, qui était clarifié ou ensemble de positions nous prend, qui fait Dominique Ayo, particulièrement Luis Abinadel, qui sont président, tout le monde connaît, qui en perte de vitesse dans le pays, mais qui joignent une occasion
pour le rallier ultranationaliste de elle en utilisant Haïti et en utilisant Claude Joseph. Nous connaissons déjà que Claude Joseph, petit Claude, pas péchaï. Mais qu'on y a nous-mêmes, ça qui se passe là, c'est une occasion pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous construire un Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Ce n'est pas pour ça que Papa Dessalines est mort. Ce n'est pas pour ça que Christophe t'a travaillé. Ce n'est pas pour ça que Toussaint t'a travaillé. Donc, moi, recevoir, moi, accepter et moi, croire que décision ça, lui fait mon honneur. Il n'est pas sanctionné. Parce que déjà, moi-même, côté qui est important pour moi, c'est la caille, moi, Haïti. C'est ça que fait. Je fais choix pour me rester dans le pays. Moment ça, nous devons dépasser cet individu qui est Claude Joseph là. Qui était ministre des Affaires étrangères, qui était premier ministre. Nous devons garder Haïti. C'est un moment pour nous coller les épaules. L'église, l'école, famille, politique, yo. En nous coller les épaules, en arriver où est-ce que nous sommes capables de construire vraiment un Haïti dans la dimension de l'histoire. Moi, je voulais conclure pour me dire, décision ça, n'est pas intimidé. Au contraire, li ban plus force pour me battre pour le pays. Au contraire, li ban plus force pour me battre pour Haïtien qui vivent tout côté mais qui a subi mauvais traitement. Mais li ban surtout plus force pour nous ranger la caille nous. Haïtien fwè aksyon nou yo, pa kite pays a en masse pour al mourir dans la mer ak nan rage. Donc li important, moi même pas oublier peuple haïtien. Moi té ministre affaires étrangères. Moi te défendre intérêt pays. Chaque fois occasion présentée, moi pas jamais pas défendre intérêt pays. Quel bagaille nous connaît, il y a pilote nous pas connaît. Historien yo va écrire. Il y a monde qui peut lire l'histoire. Moi choisi faire l'histoire. Moi choisi défendre pays, moi choisi travail pour pays. Je dis à situation pays a pas bon. Mais pas oublier, c'est pas seulement de façon conjoncturelle pour nous regarder. Gagner un système, gagner une mise en place de un système qui sont système générateur d'extrême pauvreté, d'injustice et d'inégalité. C'est système ça, je ne voulais casser. C'est lui-même, je voulais bailler carton rouge. Système ça, l'échita sur la capture de l'État, l'échita sur rente. Avec en pile rentier. C'est lui pour nous combattre. Et c'est lui même ensemble que jeunesse là le bail carton rouge. Nous pas suspendre bail système dans carton rouge. Nous pas suspendre bail gardien avec bénéficiaire système dans carton rouge. Parce que si nous pas casser système là a cassé nous. Mais attention. Faut nous faire différence entre les systèmes là à renouveler tête li et les renversements n'a pas lié à rivé. Système là son système qui sous pilotage automatique. Chaque fois système là arrivé dans bout li, les renouveler tête li automatiquement. Renouvellement c'est système là fait. Mais renversement c'est nous qui fait. Jeune pays, peuple haïtien, invitez nous pour nous mettre main ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toute institution importante yo, invitez nous ensemble. Pour nous casser ce système-là, pour nous bailler Haïti une chance, pour nous gagner un autre pays, pour nous construire Haïti à la dimension de son histoire. Quand les hommes, vous visez des nègres et puis vous écrivez la révolution, allez, et puis vous voulez pour nous. Et puis vous voulez pour le pays. Révolution, vous commencez, tu vas vous faire. Des nègres officiers, des nègres un jour, et puis tirez les vieux vieux aller. Les gars, ils ont des petits jeunes balles en bas, notre tête en bas pour le là, faut que le pays fonctionne. Nous voulons que le pays fonctionne. Et les gars, ils ont tiré nous, ils ont continué à tirer nous, parce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire des vagues. Et nous avons des barrières dans le pays. Ariel, il va y tirer dans le pays. J'en ai mouru, ils ont couru, ils ont voté avant, mais ils ont mouru.
yo moui. On chanit bo ki bat de nèg yo bal nan bas pou blanc. Devant tout moun nan bas pou blanc là. Ouais, monsieur uniforme sou li, nèg ka fou monsieur. Nèg ka fou monsieur, monsieur uniforme sou li. Gen yon ti jan ba yo jout pran bal nan tèt et puis l'autre là nou ba konnen. C'est pendant ma parete et vim pou gaz. Et vim tombe kouri, mais zim gen deux moun ki pran bal, mais yo moui à la veille gen yon ki pran bal nan épaule et puis yo kouri l'hôpital la veille. Mais l'autre deux moun sou place. La police ki tire sou. Mais bon, passe kon diskizon antre yo, mais même juste derrière moi, pa kon diskizon la c'est l'homme de faire gaz. Et tout le monde courait. Tout à l'heure là, pendant que nous copions dans le coin, il y a eu gaz. Nous prenons le gaz. Relevé. Bon, bateau juste de prendre, mais relevé, l'ambulance est à l'avant. Bah, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Il faut que nous ayons une solution, mais l'école n'a pas ouvert. Mais le chauffeur moto, il y a besoin de gaz pour fonctionner. Nous n'avons pas qu'à monter moto parce que à cause de gaz à trois. Je n'ai pas acheté galon gaz depuis l'autre jour à 250$, 300$ à terre. Qui coûte ce mal faire? Je ne vais pas travailler avec. Je continue d'acheter gaz là, je ne vais pas faire comme gaz à m'acheter un autre galon. Voilà, c'est incident grave, ça qui est arrivé jeudi dans zone. Kafoutifou dans zone Boisvena dans pompe gasoline nationale. Nous avons même tenté bouler pompe là, mais la police ak pompier te gen tan rive et bilan li lou deux chauffeurs moto yo policier a tiré sur yo mouri et gen troisième yo couri avec l'hôpital qui blessé et sans que pas gen rien qui te ka justifier intervention policier Udmosa qui assassiné deux chauffeurs moto et c'est ça que te fait mon yo te montré yo te en colère yo te parlé dans micro reporter nous Joubert Joseph nous pour gen ken réaction la police et sous ça qui passé a bon généralement l'autre institution l'état yo amorf nous connaît pas réagi yo pas gen rien pour dire concernant genre de situation ça Maurice Kidoy. Nous-mêmes, dans ALA, Alliance pour la Libération et l'Avancement d'Haïti, après concertation, nous vignons que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas eu aucune raison pour aller à Miami aller rencontrer les gens qui peuvent investir dans le pays, alors que le pays a feu et à sang. L'élevé du parti pour un groupe de monde a dépensé quoi pendant que un bon employé l'État qui va toucher, mon grand goût et l'a sonné Miami. Alors que mon secteur aimé investir dans le pays, gagné représentant l'État qui te carré au travail, gagné consul Miami, nous gagné ambassade de l'autre bord qui te carré font coup de pied à l'histoire avec Mounio. Et puis tout, qui paye, que n'est-ce pas venu voir comme il veut mettre là dans l'État pays, ça y est là avec une sécurité, cap touillé, cap raché, cap brisé, au lieu à y mettre sécurité en dans pays, là. Pour l'Ichita, l'y pas occupé à faire, peuple haïtien, ça, l'autre bagarre là pour occuper. Et allez, ouais, si c'est vrai, t'es gagné quelques monde qui te besoin venir investir en dans pays, dans qui pays, dans ce pays, ça est là. Bon, même quoi que ce soit le monde fou qui a gagné quoi, il vient mettre là, qu'on y a là. Bien que nous-mêmes, là, nous sommes bien contents. Ouais, il y a un bon investisseur qui a investi dans le pays. Les conditions ne sont pas remplies. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le Premier ministre a passé le pays à la risible. Parce que ce n'est pas affaire par nous, c'est les gens occupés. Coucou, bagaille, dans le pays étranger, il est en prononcé. Mais affaire Haïti, il n'a jamais dit rien. Mais les manifestations qu'on veut jouer dans tout le pays, il n'y a pas pipé mot. C'est comme si tu l'as dit, bah, ça n'a pas dit là. Il va regarder, mais il me dit pas avec nous. Donc nous-mêmes, nous condamnons à juste pour ça. Le Premier ministre a montré réellement qu'il n'est pas à la hauteur des fonctions qu'il a remplies. Maître Nol Georges, à la séance signataire, à quoi 11 septembre, nous faisons un constat d'échec sous bilan Ariel Henry, Premier ministre de facto. Est-ce que, en clair, à la prend distance li? À la retirer-colle, à quoi 11 septembre, après constat d'échec ça? C'est une très belle question posée. C'est que nous-mêmes, dans Allah, nous signons accord de bonne foi. Mais, Ariel Henry lui-même, il veut qu'on j'aime appliquer pour un accord. Nous toujours poser peut-être nos questions. Et c'est ça fait toujours à marron pour nous. Si je participe deux fois, nos activités avec Ariel Henry, dis pas toi. Une fois, moi, c'est nos réceptions. Une deuxième fois, c'est là, je t'ai voulu rencontrer avec Monsieur Dame Montana, qui t'est venu, je t'ai allé. Après ça, ma comment ça m'a réglé. Donc, est-ce que moi, quand, non, il y a un accord avec un monde qui a marron pour moi, et moi, comment ça m'a réglé? Moi, dis que non. Et, somme douleur. Moi, dis déjà, à haute et intelligible voix. Donc, pour moi-même, c'est pour Ariel faire place nette. Pour Ariel, c'est pas qu'on côté pour le déposer, déposer à même le sol, sur le pavé. Parce que Ariel, m'kwa lisse misère, peuple, là. D'accord? Nous-mêmes, nous pas qu'à, non, vous y watch ta chemin.